Pas sûr qu'il y ait en France militante plus engagée que Brigitte Bardot en faveur des droits des animaux. De plus célèbre, il est certain qu'il n'y en a aucune en tout cas. Sa célébrité, Brigitte Bardot, a décidé il y a maintenant plusieurs décennies de la mettre au service des animaux. Pour faire évoluer les mentalités à leur égard, la mythique actrice ne recule devant rien et va même ce mercredi jusqu'à interpeller le chef de l'État Emmanuel Macron. Neuf mois après son élection à la présidence de la République, Brigitte Bardot exprime, encore une fois, sa déception, dans une lettre. Car pendant sa campagne, comme l'actrice le rappelle, Emmanuel Macron s'était notamment engagé à mettre en place des systèmes de vidéosurveillance dans les abattoirs, votre ministre de l'Agriculture s'oppose à cette mesure de contrôle, pourtant adoptée par l'Assemblée nationale après les scandales qui ont mis en lumière l'enfer des abattoirs déplore Brigitte Bardot avant de s'attaquer au problème des chasses présidentielles. Vos déclarations en faveur du retour des chasses présidentielles déshonorent votre fonction. Vos prédécesseurs, plus âgés mais peut-être plus modernes, avaient saisi l'évolution des mentalités. Quelle régression, quel archaïsme invraisemblable. Juste pour flatter les loisirs d'une caste poursuit l'actrice avant de finir par une question adressée directement à Emmanuel Macron. Monsieur le Président, puis-je encore placer quelque espoir en vous